L'opération de la réduction de ma mère. J'ai coupé le tissu mammaire de notre patient et il y a des capillaires saignants et j'essaye de l'arrêter maintenant par un outil spécial. Nous avons exploré d'une anomalie sanguine, donc nous sommes très soigneux. Certains patients ont besoin de plus de soins selon les résultats de la test sanguin, donc nous sommes très soigneux. Cette patiente, en raison d'un amaigrissement rapide, avait eu des seins trop tombants et nous l'ont corrigé. De nombreuses femmes se soucient d'affaissement des seins après l'accouchement. Une trop forte poitrine peut occasionner de réels gênes. Ce phénomène aussi peut provoquer des douleurs au niveau des épaules, du dos ou des soucis physiques dans la vie quotidienne, particulièrement en été, à cause des courtures, la sueur, donc, et l'odeur au-dessus des seins, occasionnant des soucis psychologiques. Notre but est donc obtenir des résultats harmonieux et naturels avec la silhouette. Normalement, la distance entre tes seins et la clavicule est 20 cm et 30 cm, tandis que l'hypertrophie mammaire est 40 cm au plus.